Il a envie que ça se passe mieux ce soir. Tentative à 3 points d'entrée pour l'ASVEL. Et ça passe. Les 3 premiers points de ce match. Dibos, on le disait, hein, venu soulager la mène de Lyon-Villeurbanne, une équipe qui a été en difficulté sur la première partie de saison. L'interception, justement, entame de match parfaite pour l'ASVEL. Alors qu'on suit avec attention cette situation dijonnaise. Nous nous sommes isolés, nous devons retrouver vite ce jeu de passe. Et c'est plutôt ce qu'on a vu justement dans cette entame de rencontre. Confirmé encore avec ce 2 points de... Et claqué 2 points supplémentaires. 17 à 8 tout de même, alors que l'on a vu les 5 premières minutes de ce match se terminer il y a quelques instants de cela. De Colo, Fall. Et c'est bien trouvé, bien senti. Qui demande du mouvement, qui annonce à McDuffy ce qu'il doit faire. Surtout rester là-bas au fond. Attendre que ça arrive. Oh, le drive pas mal avec la faute. Pour Lyon-Villeurbanne. Ça accélère Matthews. Eh ben, il se l'est construit tout seul. Ce panier de Dijon. Roussel fait ce qu'il peut. On a vu Rova tout à l'heure faire une différence. Mais... un seul être, vous manquez, tout est dépeuplé. 9 points d'écart. Dijon doit s'accrocher. Alors que la passe, elle est assurée. Le dunk de Tyus sur la passe de Antoine Dio pour l'ASVEL. Et ça enquille, et ça enquille. Et l'ASVEL face à Roussel. Passe par-dessus. Aminoua qui se retourne, c'est explosif et qui dunk. La rage d'Aminoua ce soir dans le Rhône. Allez, 2 minutes encore à jouer avant la pause. Dibost à 3 points. Oh, pop, 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 Dibost 46-23. 49-23. Oula, tentative lointaine de Dibost. Aïe, 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 c'est incroyable. 52-23. Ces ballons que ne doivent pas laisser passer les partenaires de McDuffy, là, qui a laissé filer le cuir sous le cercle. Ça laisse une autre possibilité. Et bien, justement, la différence, Nando de Colo. Ouais, feinté le shoot à 3 points, ça ressort. Roussel, 4 secondes, il va falloir y aller. Dans le trafic, il s'emmène le ballon avec la faute, c'est bien fait, Roussel. Oh, il se retourne, c'est bien fait. Et avec... ce travail efficace. Croyez-vous la JDA capable de stopper l'hémorragie défensive, de contrecarrer cette attaque villeurbanaise, peut-être justement par ce type de 3 points. La toute fin de ce troisième carton pour se caler sur cette ultime possession. Matthews, et qui score en plus en bout de possession. Et voyez, ça ne laisse pas la possibilité aux Dijonais de tenter leur chance, ou du moins. Ah, c'est. Malheureusement, une confirmation sur cette session du côté. Là, par contre, il y a de l'efficacité à 3 points. Du côté, il était à 2 sur 4 à 3 points. Et Aminoua qui surgit bien pour ajouter 2 points. Matthews. Dio à 3 points. C'est manqué. Bataille du rebond et le dunk énorme d'Aminoua. Oh là là. Rovat, c'est manqué. C'est bizarre, c'est chaud offensif. Rizaché par-dessus, Fall. Et ça passe. 2m21 qui aide bien. Obasohan. Ouais, c'est pris derrière par Rizaché. Rizaché. Ça passe. Tout en justesse. Oh, regardez, il est figé. C'est la question qu'on peut vous poser. Pensez-vous que l'ASVEL va passer la barre des 100 points dans cette partie? Allez, 4 minutes 40. Alors que Roussel avance. Aïe, 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 aïe. Aïe, le dunk derrière. 2 points de plus, 95. Dans cette fin de partie, dispute sur le parquet de l'Astrobal. S'il vous plaît, ses premières minutes dans le basket professionnel français. Et ça passe le dunk. Joli geste pour finir. Voilà, vous savez qui a raison. On va voir ce que ça donne dans ces derniers instants. Mais c'était pas mal. Oh, la passe à l'aveugle encore comme il les aime. Dio est derrière, 3 points. 99-60. Score final, victoire de Lyon-Villeurbanne face à Dijon en clôture de la 20e journée de Betclic Elite. On va être très honnête ce soir, il n'y a pas eu photo. L'ASVEL à...